Bonjour à tous, c'est la deuxième partie. Enchanté de vous rencontrer, sergent Plokin. Le petit Manu, il m'a costaud. Vous êtes un frère noir? Eh ben oui! D'accord, je prends note. C'est catastrophique! Oui, la situation catastrophique pour nous, les noirs. Je peux prendre les chevaux? Eh ben oui! Ok, c'est gentil. Je dois choper un blanc. Ben, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur. Putain, merde, je faut que je tue un... Et vous ? Patron, nous devons l'arrêter, ce monsieur-là. Ah, mais vous êtes là, Gouda ? Oui, je suis là, patron. Bah, moi, ça, j'étais en train de suivre cet individu. Mais il est mort ? Bon, bah, j'attends bien que vous soyez là. Par contre, ça tombe un peu mal dans quel état il est. Je vais le traîner. Je dois faire les petits challenges pour moi. Pour me montrer que l'homme noir peut avoir, peut dominer un peu. Il y a déjà un médecin qui est là-haut. Attends, il y a des... Ah ouais ? Pour le pépin. Trop bien, là ? Ouais. Bonjour madame. C'est une hospice, c'est quoi? Salut, c'est Lila. Bon monsieur. Je passe autour de vous, alors. C'est des bandages que j'ai imbibés dans des produits à base de plantes. Donc ça va dégager. Mais attends, il est tout nul là. Cette forte odeur qui n'est pas désagréable. Ça va. Oh, on va voir le RP de la docteur, elle a pas mal, hein, okay. Non? Et ça va vraiment apaiser tout ce qui est douleur pour que ce soit plus supportable pour vous. Merci okay. HLM, c'est pas grave. Plus attention, sur YouTube, on est bien sur YouTube aussi. Ah ouais. C'est pas trop serré ? Oh non, c'est que vous êtes la poigne. Hein. Mais il se fait plotax ou quoi ? Toujours, monsieur. Moi, j'ai envie de buter. Faire mon petit nœud là. Voilà. Évitez vraiment tout vêtement lourd, comme gros manteau, vous voyez, comme j'ai. Vraiment, essayez tout ce qui est plus petit, petite veste. Elle joue bien, hein ? Un corset si vous pouvez, ou vraiment que vous mettez sous votre chemise, hein, ça se verra même pas. Ah ouais, d'accord. Oh, l'autre il est pas à la hauteur. Voilà. Après, ah merde. Peux, malheureusement, sur ça, en notre médecine, on peut pas faire plus, monsieur. Ah, enfin, mais c'est déjà beaucoup. C'est le plus que je peux faire, vraiment. Mon but c'est de faire juste ça. Ah, merci. Bonsoir, madame. Monsieur. J'ai déjà marché un coup de couteau, est-ce que vous pouvez lui sauver la vie si il s'est pris un coup de couteau, pardon ? Oui, il s'est pris un coup de couteau. Oh là là, je l'ai passé moi. L'assaillant a fui, on n'a pas eu le temps. Attention, monsieur, reculez. Ouais, par contre, écris bien en français HLM, ouais. Et je vous prie, s'il vous plaît, faites-le. T'avais pas besoin de rajouter le voilà, les frérots à la fin, ouais, c'est vrai, ils ont raison. Aidez-le à le porter, à le faire marcher. Okay, très bien. Ah ouais, vous pouvez vous raviller, monsieur. Ah ouais, vous l'avez gangbang, le gars qui vient d'arriver dans le chat. Je vous raccompagnerai en ville, sans souci. Oui, très bien, merci beaucoup. Je vais faire un test. Je vous fais une facture ou vous me payez directement? Michel! Oh ben, je viens d'acheter un col et tout, donc j'ai plus rien. Il est sale, l'autre là! Ah, bah, si je vous fais une facture, pour ça, vous pourrez c'est payer. Bon, blanc. C'est bon, je suis réveillé. D'accord, bah, on fait comme ça. Il est réveillé. Il est en ouf, lui. Mais. Alors, reprenons notre cheval et retournons en route. Monsieur, reculez, sinon c'est à vous, je vais mettre la facture. Pardon, madame. Ah, ça recule. Bah oui, c'est comme ça chez HLM, c'est pas comme les autres chats de France, c'est pas un chat de fragile. Kunta, viens, on va partir directement. Mais la femme doit me soigner, là. Très bien, merci. Elle doit me donner le bandage, elle doit me bander. Dites-moi, vous êtes pas là. Vous aviez un oncle? Oui. Madame, oui. Madame le docteur, là, vous pouvez me bander un peu? S'il vous plaît. Oh, monsieur, je vous entends pas. Je suis la seule qui ne voit pas, monsieur. Le monsieur noir aimerait se faire bander, madame. Vous pouvez parler à mon patient là qui est en salopette. Laissez-le quand même se reposer. Juste quelques questions rapides, s'il vous plaît. Ouais. Madame, bandez-moi, s'il vous plaît, madame. Madame, bandez-moi, madame. Bandez-moi. J'entends pas, monsieur, foulard rouge.
Kosia, oui. Tu dois te mettre dans je le lit. Bon, monsieur, s'il vous plaît, sinon je ne peux pas faire quelque chose pour vous aider si vous vous faites ça. Va dans le lit, Kunta, maintenant. Monsieur. Va bien s'occuper de toi. Non, mais ça va pas, non? Ah, Kunta, j'ai cru que vous étiez mort. Ça va, vous allez bien? Non, patron, il y a un peu mal. Je me suis vidé de sang. Désolé, monsieur. Dès dans la femme, docteur, là, de me bander, le sang sort un peu. Qu'on lui trouve un autre noir, qu'on le tue, qu'on lui donne son sang, s'il vous plaît. Monsieur, s'il vous plaît, commencez pas à crier ici. Vous voyez, il y a d'autres patients, ils ont besoin de se reposer. Donc commencez pas à crier, sinon je vais être obligé de vous sortir. Est-ce que c'est clair? Oui, bien sûr, patron, c'est clair. Oui, calmez-vous, pardon, restez avec moi, patron. Pas de problème, monsieur, restez là, mais si c'est pour crier, c'est hors de question. C'est quand même un joli balcon. Pardon, monsieur, ne me gênez pas. De passer par-dessus. Elle a l'habitude de soigner. Il a dit quoi? Vous faites votre travail, madame, il faut que je le fasse à votre place. Pardon? Vous faites votre travail ou il faut que je le fasse à votre place? Bon, vous voyez sortez. Pas qu'il est... Monsieur, qu'il est dans... Comment ça? Là, vous voyez bien, je fais mon travail, je peux pas être allons, partout pas à la fois. Donc sortez. Oui, bon, je vais aller prendre l'air, oui. J'ai besoin de prendre l'air. Avec quoi, monsieur Madison? Prenez l'air, oui. Pardon? Là, il est lourd. Aïe. Oh, mon Dieu. Bon, qu'est-ce que vous avez, monsieur? Si vous ne parlez pas, je ne peux pas vous aider. Vous m'entendez, madame? Posez-le près du lit, mademoiselle. Appelez-le. Non, on a des bras en soie, ça glisse beaucoup. Ah, ça glisse, hein, c'est vrai, t'as raison. Pourquoi vous m'entendez pas? Pourquoi elle m'entend pas, elle? Il y a quelqu'un qui... pardon, c'est à moi que tu parles? Oui, je vous parle, madame. Ah, pardon, excuse-moi, je parlais, je croyais que tu parlais, docteur. Oui, parce que votre collègue ne m'entend pas. Dites-lui. Vous entendez le monsieur, allongé? Ah, oui. Oui, il parle. J'ai un problème, je n'entends pas du tout. Vous pouvez me dire ce qu'il me dit, s'il vous plaît? Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Je vous risque ma vie, évidemment, ça, il faut qu'elle bande. Ah oui, apparemment, il s'est vidé beaucoup de son sang. Hein. C'est vrai, regarde les scènes beaucoup, là. Hein. Ah, je vois ça, mais je ne connais pas la raison. Je ne vois pas du tout et je ne peux pas faire quelque chose. J'ai pris un impact de si balle. Je ne sais pas de quoi ça vient. Pris, regarde, là, il y a une balle, je crois. Regarde faut ici. Faut sortir ça, là. Une balle? Ah oui, là, dans la une balle, ça suffit quoi, en fait, les gars? Un coup de cut? Eh oui. Ça saigne beaucoup, là. Hein. Régulièrement, j'avais plaisir des femmes comme ça qui m'aident. C'est gentil. Ah oui. Oui, tu veux que je t'aide, hein? Je peux faire petit peu point de pression, c'est tout vous. Oui, point de pression entre les jambes, j'ai un peu mal. pas entre les jambes, ça je ne ferai pas, monsieur. Hein? Tu vois pas, c'est mal entre encore. Les hein? Le monsieur dit ça, là? Oui, non, c'est pas grave, t'inquiète. Hein? Et je crois qu'il s'est trompé, il voulait que je fasse point de pression sur jambes. Hein? Sur jambes. Hein? Ah, sur jambes? Sur jambes. Hein? Entre les jambes, j'ai un peu mal dans la zone. Attends, tiens, hop là, j'appuie. Hein? T'as vu, hein? On appuie bien toutes les deux. Hein? Oui, appuyez bien, allez-y. Ah oui, ça détend vraiment. Ah, tu es content. Hein, tu veux que je t'appuie sur le nez aussi pendant qu'on est hein? Là, voilà, tac. Hein. Oh, il m'énerve, lui, hein, déjà. Hein. Allez, vas-y, allez. Allez. Fais, enlève la balle, là. Tu vois bien, regarde, on la voit qui brille ici. Hein. Allez. Je vais coulisser mon doigt pour faire ressortir la balle, monsieur. Coulissez bien le doigt. Oui, oui, allez, vas-y. Ah, j'appuie un coup. Ah oui. Hop, ça y est, elle est sortie. Oh là là, incroyable, hein, comment elle est sortie. On aurait dit un petit morceau de. Enfin bon, bref. Allez. Ouais. J'appuie bien avec petite compresse. Vas-y, fais le point, hein, après. Ah oui, désolé, hein. Ah oui, ça fait très mal. Ah, je dois écrire, hein. Tout nous fait très très mal, hein. Oui, oui. Il aime pas ça, hein. Non, monsieur, Ça gonfle. C'est... Allez, non, allez. Non, ça gonfle pas du tout. Hein. Tu te fais des idées dans ta tête, hein, je crois, vraiment. Hein. Ah oui. Ouais. C'est bon, je me sens un... bien là. Ça y est, c'est réparé. Je regarde sais, comme un oiseau tout neuf. Hein. Ah oui, un bel oiseau. Par contre, ton ami n'est pas très très bien. Hein. Oui, hein. Oui, c'est qui, lui? Il faut le laisser se reposer. Je ne le connais pas, je me sens bien. Oh, le pauvre, hein, oui. Merci, je vais pouvoir me relever. Hop là. Voilà. Donc là, surtout, monsieur, si vous voulez vous reposer, je ne sais pas si vous m'entendez, moi en tout cas non. Donc, si vous voulez vous reposer, vous avez totalement le droit de rester ici, vous reposer un petit peu. Mm-hmm. Vous allez éviter tout ce qui est vraiment grande marche, longue, pour éviter que les points sautent. Ouais, jusqu'à ouais, demain, ouais. Demain, ça devrait être bon, vous pourrez un peu plus gambader.
C'est vraiment la douleur est trop forte et que vous remarquez que votre jambe change vraiment de couleur, donc vire vraiment à un noir, ou... parce qu'il va avoir des hématomes ensuite. Oh, elle est drôle, c'est celle-là. Totalement normal. Oui. Mais si ça commence à virer à un noir très profond. Le noir. Si sa jambe devenait noire, il fallait que vienne. Mais non, mais pas ce noir-là. Non, pas du tout, mais je crois que. Un noir, vous voyez, comme mon manteau. Oui. Vous êtes raciste, madame. Mais non, du tout, monsieur. Oui, pourquoi faire? Attention, hein, parce que ce que vous êtes en train de faire, ça s'appelle du délit de faciès. Non, du tout, monsieur. Salut à tous. Du tout. Ah bon, patron, elle m'a réparé. Je me présente, elle je m'appelle Sébastien. Elle m'a réparé. C'est qui, c'est le moment, là. Je me présente, je m'appelle Sébastien. Bonjour, bonjour, Sébastien. Mais non. Là, l'objectif est grave, faut que ça d'action, moi. J'ai pas envie de m'ennuyer, je sais. Monsieur, qu'est-ce qui se passe, là, dans l'hôpital, s'il vous plaît? Alors, entre le monsieur, là, qui me manque de respect, qui dit que je ne sais quoi avec le monsieur, car j'ai dit que si ça plaît, commençait à virer un noir profond. C'était du racisme. Bonjour, monsieur, le grand monsieur. Le boss, tous, le boss, le blanc, et... c'est un séducteur, hein. Tu es séducteur, toi. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est un fou. C'est qui, lui? T'es un fou. Moi, je suis le copain de l'hôpital, monsieur. Bon, monsieur, là, il y a un patient qui est en train de se reposer, vous avez trois fous. C'est pas fou, là. Rebonjour à tous. Non, mais alors là, j'ai de suivre le patient, là, vous êtes qui, vous? Et monsieur le chéri, vous êtes pas le chéri, là. Personne. C'est un carnaval. Oh, allez, on y va. Est-ce que vous pouvez payer pour... Un être humain, je suis pas un kebab. Le kebab, c'est pour manger, je suis un être humain. Continue, non, Régis, ça m'intéresse. Dis-moi, petit Emmanuel, j'ai quelque chose à te demander. Eh ben oui. Tu peux nous servir à quelque chose, à ton avis? Très bien, bon. Alors, ce que tu vas faire, Emmanuel, tu vas essayer d'attirer les gens vers toi. Non, pas de violence. On est tu avec vous un mec. Disputer, hein? Ah, enchanté, monsieur le séducteur. Comment vous allez? Alors, j'ai mis le bandeau. C'est pas le bandeau du kamikaze, c'est le bandeau de l'espoir. L'espoir de me blinder les couilles. Oui. Et je vais vous montrer une technique. Une technique avancée, une méthode kamikaze. Donc c'est une technique avec levier et sans stop-loss. D'accord, j'ai compris, monsieur, oui. On va y retourner, on va pas perdre de temps. On fait all-in, c'est pour ça que j'ai le bandeau. À la kamikaze, les gars. D'accord, à la japonaise. D'accord. Non, mais voilà. C'est un fiasco. D'accord, on descend alors, monsieur, oui. On va faire ça à la kamikaze. C'est mais vous qui avez fait l'affaire, oui, non? Faut voir c'est que monsieur Green. Bon, écoutez, je vais vous le dire à vous deux. La personne de couleur qui est en bas, qui s'est pris un coup de couteau, c'est la personne que monsieur le maire m'a dit, qui a traîné l'homme qui est allongé là-bas avec un lasso. Oh merde, on va se marier. Et je crois qu'on doit partir. Ok, d'accord, très bien. Bon, monsieur, ne me posez aucune question. Je ne t'ai pas posé une question, arrête de m'embêter, toi. Vous manquez de respect, là, monsieur. Vous... Toi, la formation, là, donne-moi ta formation alors. Dis-moi, c'est quoi la formation? T'es un fou. Non, écoutez, monsieur, si vraiment vous faites pas quelque chose là, parce que ça va pas du tout. Là, je me manque de respect totalement là, ça va pas du tout là. D'accord. Bon, patron, on y va, patron. Allez, on y va, ça va être ici, c'est trop. Il faut tout simplement suivre ma formation. Et pour la faire, les gars, vous avez juste à réviser, appliquer, et ça va bien se passer. Ouais, faut se barrer. Oui. On se casse. Y'en a. On s'occupera d'elle plus tard. Merde. Ouais. Quoi, ça bug? Où est-ce que vous allez, Quinta? On est censé aller dans le sud. On y va. Venez avec nous, monsieur. Il me tue le rire. Le RP Seb là, putain. Ça me tue. Il le joue bien en plus, non? T'es plus un géant, fait F5 le perso. Ah ouais, merde. Comment on fait? Comment on reload le perso, j'avoue?
bordel. Arrête ton bêtise, toi, là. T'es un fou. T'es un fou. Folle. Mon petit cheval. Bah, excusez-moi, alors, j'ai pas fait attention, je me suis trompé de cheval. Il est trompé. Mon cheval est mort. T'as tué mon cheval. Comment, hilo de perso, putain, les... Alors, déjà, je vais t'expliquer un truc, mon gars. Le galop en ville est interdit, donc si t'es pas content d'être à pleine vitesse et de t'éclater la gueule, tu vois ça avec ton cheval et ta conscience. Je suis pas en ville, je suis en dehors de la ville, regarde. Ah ouais, je suis persuadé que je te montre la carte et que je te donne faux en l'espace de 10 secondes. Regarde bien les petites frontières tout autour de la ville et tu as plus bien. Oui, oui, on t'envoie de l'autre. Ah oui, il doit. Ah, alors ça, par contre, c'est le cheval sur le cachet. Merde, putain. Il faut le tuer, tuez-le sur le... Qui a niqué le mec? Il s'est passé quoi, Bruce? Il s'est fait bousculer? Il a tué Kunta. Kunta, vous êtes encore mort, mais non, c'est pas possible. Bon, il va falloir retrouver. Il faut ramener à l'hôpital. Mais non, attends, reste là. Le docteur va se ramener, je pense. Bon, le cheval, là, celui-là. Vous le ramenez à l'hôpital. Vous accompagnez M. Kunta. Responsable mais pas coupable. Reste jamais près d'un cheval. Parce que celui-là il appartient à la... L'autre celui-là. Ah, ce qui s'est pris. Et vous allez vous, vous faire foyer également, mon brave. Il faut que l'écouter. Tu voulais, je vous emmène, hein. J'avais pas de chevaux. Allez, bougez pas. Pourquoi vous le tenez là? Lâchez-le, monsieur Madison, lâchez-le. Mais qui va le prendre du coup? Il fait comment pour se déplacer? Amenez votre ami à l'hôpital, je m'occupe de lui. Bah vous le prenez avec vous. Sinon, moi je le prends, hein. Il a besoin de quoi? Bah il faut l'emmener à l'infirmerie, il est malade. Qu'est-ce qui s'est passé encore là? Oh, il y a eu des soucis, ma petite dame, on va tout vous raconter. Ouais, ma petite dame, vous me manquez de respect, ensuite vous me parlez tout gentiment. T'es derrière. J'en ai rien à faire de ce qu'elle raconte, ceci. Ah, c'est du grand mécaro ce soir, putain. Ah, putain, ça me tue. J'adore ce jeu. La pauvre, elle est arrivée sur la scène. Allez, ça dégage. Non, un peu de respect les personnages, quand même, voyons. Ça va, Dyson? Ça va. Yeah, mal. Oh, ça va. Vous êtes trop lourd, moi, côté, je suis désolé. Elle fait quoi, elle est en 10 ou quoi? C'est un saut, là, ça, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'elle a? Putain. Elle est émotionnée? Oui. Elle a quoi, là? Elle est sous pression? Oui. Elle en a... Lâchez-le, je vais le soulever. C'est bon, lâchez-le, je vais le faire. C'est bon, vous le faites, vous en chargez. Oui. Bonjour, bonjour. Mais non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en 10 ou quoi? C'est vous qui avez fait ça. Déposez-le là, là. C'est ça. Bon, monsieur, rangez votre arme tout de suite. Je te reconnais, petite Emmanuel, c'est monsieur, toi qui as fait ça. Monsieur, sortez de l'hôpital. Comment ça, sortez de l'hôpital? Une fois. Oui. Deux fois, monsieur, avant que je porte plainte. Pour porter plainte, pour quel motif? Sortez. Mais... Oh, d'accord. Vous aussi, monsieur, sortez. Eh ben oui. Emmanuel. Et cette personne-là va pas payer tout à l'heure, donc... Tout le monde, bah, je vais rien faire. Et malheureusement, je suis désolé, mais c'est ce qui s'est passé samedi. Donc elle va payer deux fois, c'est pas grave. J'entends le condor derrière, vous entendez? Bon, et toi, là? Pas le condor, après, ça fait longtemps, en fait. C'est vraiment pas mon avis. T'es un fou. T'es un fou. Oui, effectivement, il a l'air complètement fou, cet homme. Je tombais, madame. Merci de m'avoir réparé. Vous m'entendez? J'entends pas le monsieur, mais... Allez, je suis à la traduction. Vous devez 18$, je l'entends, oui. Parce que vous avez pas payé tout à l'heure, vous avez fui. J'ai été réparé. Et d'ailleurs, vous avez pris une balle dans votre jambe, mais vous êtes en train de courir après. Alors, tu l'as pas payé tout à l'heure, donc tu devrais payer deux fois. Tu as pris un couteau et une balle dans ta jambe, et tu es encore en train de courir.
Non, j'ai été réparé justement. Je suis sorti, j'étais en forme. C'est normal quand je suis sorti là. Parce que madame sait bien s'y prendre, elle m'a réparé. J'avais les payés. Je dois les payer, mais c'est mon patron, c'est mon patron qui doit la payer. Madame, venez m'accompagner devant mon patron, il va vous régler. Non, mais monsieur, arrêtez là, vous allez me payer. Patron, la femme, la docteur, elle me poursuit là. Il veut de l'argent. Je n'ai pas l'argent. Vous voulez donner. Comment vous voulez de l'argent? Vous voulez de l'argent? Pourquoi moi, vous gens, ça parle aux gens. Les gens se sentent concernés. Arrêtez de dire que je copie. C'est vraiment pas mon habitude. Ah, madame, on vous écoute. Pardon? On vous écoute. Pourquoi elle vous n'a pas la bouche ou quoi cette femme? Parce que votre monsieur, je lui ai procuré des soins. Il ne m'a pas. Remboursé, du coup il me doit 9$ pour la première 9$ pour la première intervention et puis 7 pour celle-ci. Mais c'est ni fait ni affaire, bon sang, ce que vous êtes en train de dire. Pardon? Ben oui. Comment ça ni fait ni affaire, monsieur? Mais c'est catastrophe sur catastrophe, vous êtes en comment train de dire. Comment ça catastrophe? C'est un fiasco total. Ben oui, c'est un fiasco total, bien sûr. Bah des gonnards. Hein. C'est quoi ce comportement? Vous êtes en train de réclamer de l'argent? Ah monsieur. Bah, je réclame de l'argent parce que c'est mon métier, monsieur. Vous expliquez pourquoi vous parlez mal à ma mère et à ma soigneuse? C'est juste que, au début, la team, elle est partie avec les tokens. Les mecs, ils ont vu combien ça a pris. Ils se sont dit, attends. Je suis pas responsable. Je peux tout de suite prendre 500 millions de dollars. Quelle langue il parle, les tokens, la team? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son gage? C'est pas de votre hôpital? Donc les mecs, ils avaient le choix. Attendez, moi je me mets à ma place, ils ont les raisons. Mais il parle quel genre, votre copain? Il est fou, le monsieur là, il est fou. Il faut l'interner, mais dites-moi de force. Interner ça là. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Mais vous parlez quelle langue, vous? Mais c'est vous qui êtes fou. Les gars, faut qu'il y ait de l'action, moi. J'ai pas envie de m'ennuyer. Je sais, mais oui, mais c'est. Aidez-moi à le porter, Oui, bah alors on l'emmène. C'est bon, je crois que c'est gratuit, on y va. Je vais prendre le doigt si je. Aïe! Vous faites quoi, monsieur, là? Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais... Il faut le frapper, ce monsieur-là. Patron, attendez, monsieur, frapper. Parce que là, ça vous va. Vous pouvez pas sur la piste. J'en sais rien, mais je vais en niquer. Pendez-le, monsieur, pendez-le, mon cher. Attends, c'est vrai. Mais je peux pas montrer. Alors, j'ai mis le bandeau. C'est pas le bandeau du kamikaze, c'est le bandeau. Monsieur l'Indien, là, vous laissez cette personne tranquille, ça. Restez-le. Faites-le partir, oui. Il est si mort. Ne soyez pas l'air. Serrez les nœuds, monsieur, vous pouvez pas vous détacher. Mais c'est un All-Stars ou quoi? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait là? T'es un fou. C'est vrai. C'est l'All-Stars game de. Je m'appelle Sébastien. Monsieur, qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien. Quel nom parle, ce monsieur? Bon, écoute, Sébastien, tu vas écouter une bonne fois. Sébastien, écoute, tu es fou. Tu vas suivre ces personnes. Je vais lui montrer mon bronzage, en fait. Je contracte mon biceps au max. D'ailleurs, ce jour-là, j'ai touché une veine. C'est histoire de parler à son subconscient, de lui faire comprendre que j'arrive facilement à avoir un bon afflux sanguin dans mes muscles. Je le tue. Ça va pas du tout, là. S'ils ont dit un zoo, là, ça va pas du tout. Madame. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la différence entre être persistant et persistant. Vous n'avez pas été insistant. Il a un problème. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Monsieur, monsieur, il est fou, Alors, Tommy, il est fou. Lui, là, c'est vous, là, vous l'emmenez. Lequel? Là, au sol, là, celui qu'on a attaché, là, c'est un cinglé. Non, mais pourquoi vous l'avez attaché? Il est grotesque. Il est grotesque, il a raison. Il utilise une langue inconnue, il se moque de nous, il a pété Attends, il le fait bien. À mon collègue Tommy, je vais voir avec ce monsieur. Il a pété. Alors c'est lui le plus fou. On est d'accord que c'est lui le plus tarbé, lui, non? Depuis le début. Vraiment hors sujet. Il a pété un câble. C'est catastrophique. Qu'est-ce qu'il... Il racontait quoi, précisément? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Oh non, je suis un pointeur. C'est quoi cette dégaine? On va vous arriver à temps. De quoi? Pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu. C'est un hôpital psychiatrique bientôt. Bonjour, rebonjour, rebonjour à tous et à deuxième Je sais pas ce qui les frappe, c'est peut-être la pleine lune. C'est dérangé, il a dit que c'est... Cet homme cet homme a fait une sieste, je vais... Il y a des esclavagistes qui reviennent. Il y a des esclavagistes qui... Patron, on prend les petits fous là avec nous. Oui, on va l'embarquer avec nous. Le petit Manu. Personne veut Allez, payer. Venez la venez, petit Manu. Petit Manu, venez. Elle est où ma monture avec toutes ces histoires?
Edouard, s'il vous plaît, vous pouvez vous occuper du patient en rouge, j'entends pas du tout. C'est catastrophique. Bon, petit Manu. Attendez, il y a une charrette là-bas. Le petit Manu. Oui, je te parle. T'es fou ou quoi là? Les gens ils vont t'embarquer là. Tu dis n'importe quoi. Calme-toi. C'est quoi ton tête? Non, ton tête. Ils vont t'embarquer. Oui, monsieur Madison. Il est là, là. Il a récupéré une petite charrette là. Oh, pardon, excusez-moi. Oh, pas de problème, monsieur. Je suis noir, je suis costaud. Abattez-le, monsieur. Abattez-le, ce monsieur. Qu'est-ce que c'est ce délire? Mais c'est un chasseur de primes, lui. Je le reconnais. Je vais récupérer, attendez, s'il a un peu d'argent. Pourquoi il s'est fait, il s'est fait tirer dessus, là? Mais c'est chasseur de primes, il s'est passé quoi? Du gosse viande. Mais non, trop bien. On peut récupérer des sous. Ah, pardon, j'ai pas vu. Qu'est-ce que c'est? Attention à monsieur, quand même. C'est quoi ce délire? J'ai récupéré de la viande. Tout à l'heure, cet homme-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Madison. C'est vous qui venez nous faire tirer dessus, là, je suis quand même pas fou. Oui. Et pourquoi? J'en ai aucune idée, mon brave. Monsieur, vous pouvez faire confiance à monsieur Madison, c'est mon patron. Il m'a libéré. Merci, patron. Non, ça maintenant, oui, ça, j'avais bien compris. Mais elle est bien à vous, la charrette, on est d'accord? Ah oui, bien sûr, mais je sais pas, c'est un individu qui voulait certainement me la voler. Ok, très bien. Bon, parce que j'ai strictement rien vu, ok? Ah oui, moi non plus. Ah ben moi non plus, j'ai rien vu de ce qui s'est passé. Je vous dis, j'étais avec ma charrette, et puis on m'a tiré dessus. Alors je vous fais pas dire. Donc... Qu'est-ce que t'en fais? Attends, monte tellement. Ah ben petit Manu, viens, monte avec nous, petit Manu. Petit Manu, monte. Vous avez rien à me dire sur le monsieur là que vous avez ligoté? Ben je peux juste vous dire qu'il est fou, qu'il mérite d'être interné pendant quelques années ici, hein. Ouais, mais il est fou. Vous allez avoir une balle bizarre. Bon, bah vous savez quoi, je vais vous laisser repartir. Je vous ai déjà assez pris votre temps aujourd'hui. Oui, monsieur le shérif, encore désolé pour le désagrément. Petit Manu, là. Tu te calmes, hein. Rentrez à l'intérieur. Il faut tout dire, Manu, il faut tout dire. Allez-vous-en un peu, vous faites le bazar. Allez, parfait. Allez. Au revoir, monsieur le shérif, merci oui, beaucoup. Oui, encore désolé pour tout à l'heure. Bon vent, allez prendre l'air. Quoi, la femme, là? Pourquoi on nous dit ça, là? Eh oui, mais je pense que c'était catastrophe sur catastrophe, hein, Manu. Eh ben oui! Eh, Manu, il a un problème dans son tête, hein. C'est quoi la question? Manu, tu préfères les nazis ou... Bah, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est mes filles, mes raisins. Mais il est où le monsieur Soussou, là? C'est lui qui vient avec l'appel de pièce. Ah oui, mais attendez, bah, il faut que je le rappelle. Bon, il vient là, il va servir d'appât, lui. On va le mettre au charbon. Il va nous ramener de l'argent. Petit juif. Bon. Où es-tu? Faut retourner peut-être derrière l'hôpital, il était là-bas. Ah oui, vous pensez qu'à cette distance, il n'entend pas les pièces? On rapproche un peu, peut-être dans la... On va retourner un peu, il va entendre. Dépêche-toi, là. Il est l'heure. Il est l'heure de se réveiller. Putain, tu m'as donné envie de le revoir, ce film. Attends, en fait, les PNJ, tu peux récupérer là des choses, hein. Vous savez, patron. On voit rien, là. Je vois pas très bien non plus, mais bon. Je fais confiance à vos chevaux. T'es où? Mais t'es où, là? Monseigneur. Bah, ça m'étonne pas. Et même, il paraît que son restaurant, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est... Les gens sont malades, ont une indigestion, et il paraît qu'il donnerait du chat à manger, quoi. Oui, c'est des restaurants chinois, oui, ça te dit, oui. Eh ben oui! Ah oui. Ah non, il est pas ici, attendez. Derrière l'hôpital, peut-être. Derrière l'hôpital, vous pensez? Oui, on doit faire un tour. Désolé de dérangement. Il est là. Ah mais il grogne. Montez. Ça va? J'arrive. C'est comme ça que tu reçois. Qu'est-ce qui lui arrive? Tu reçois. Allez, venez, donc avec nous, là, on a pas le temps à perdre. Comme on dit, fumez la moquette.
Non, non, je suis désolé, on récupère notre juif, je sais pas ce qu'il fait. Votre juif ? Monsieur le juif, là, oui. Venez, oui, le juif. Allez, montez là, montez dans la voiture, allez-y. Il y a monsieur Manu qui vous attend. Emmanuel Ploquin, le petit Manu, il m'a causé. Quoi, mais c'est quoi, c'est quoi ? Tom, là, qui a mangé par terre ? Il est dans l'intérieur. Et c'est bon, il n'y a pas de souci, monsieur, tout est réglé. Encore merci pour l'accueil et pour le tout ce que vous nous avez apporté. Bon, ben, si ça vous satisfait, bonne continuation sur vous. Wax. Montez, monsieur le juif. Mais pourquoi vous je monte ? Allez, yalla, c'est parti. Mais non, mais vous n'êtes pas juif, vous quand même. Vous n'allez pas me dire vous êtes juif. Ah, je sais pas, j'ai eu peur. Allez, yalla. C'est le faux BKO ? Non, c'est le vrai, mais il est. Il a un verre de trop. Accrochez-vous. Si vous voulez, on pourra faire un point BKO en fin d'émission, vous allez voir. Si t'es en Californie au mois de juin, maintenant ça.